Ce résumé vous est proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Matuidi, Ronaldo, on revient derrière avec Pjanic, Dybala, Paulo Dybala, c'est pas mal joué ça, Paulo Dybala encore avec une tentative au deuxième, il a bien ouvert le pied. Trippier, Saoul, Herrera, centre contré, deuxième chance maintenant. Il a le temps de calibrer, non, il joue en retrait finalement Trippier avec Saoul. Oh, l'envoi intéressant et Chesney qui a failli être surpris par la masse de joueurs qu'il y avait devant lui, qui a relâché en tout cas ce ballon. Bien vu de la part de Ramsey. Le temps court, ouais, qui en rajoute une petite couche, moi j'ai l'impression. Attention, hein, Hermoso, il a déjà pris la carte jaune. Il y a une possibilité de frapper. Oh, ça part bien, superbe! Oh, qu'il est fort ce garçon, mais qu'il est bon ce garçon! Et il le prouve encore une fois, Paulo Dybala, le culot, la folie un petit peu aussi. Je parlais de la folie de Jean-Félix, et eh bien elle est là du côté de la Juve. Avec Paulo Dybala, toujours capable de nous sortir un geste inattendu. Trippier. Oh, attention à ce mauvais dégagement. Saoul dans les mains de Chesney. Le nouveau venu, Angel Correa, qui est allé directement sur l'aile droite. Le dégagement. Oh là là, double intervention loupée là de la part de la défense. Et c'est parti avec Cristiano Ronaldo. Thomas Partey qui revient sur lui. Ronaldo, les crochets, la frappe maintenant qui s'envole dans les tribunes. Pour la Juve, c'est la première fois qu'ils atteignent le total de 10 buts en phase de groupe. Pour la première fois depuis 2012-2013. Cette année-là, ils avaient planté 11 buts en tout. Oula, attention à cette perte de balle. Jean-Félix, la frappe à côté. Il n'a même pas tremblé à Wojciech Szczęsny. Il est resté planté sur ses deux jambes. Pas de mouvement. Il est en cours. Oh, techniquement, c'était pas mal tenté. L'avantage est laissé par Monsieur Taylor. Bernardeschi encore, la frappe sur le montant. C'était bien tenté de la part de l'ancien joueur de la Fiorentina. La vitesse d'exécution et ce pied gauche de Federico Bernardeschi. Bernardeschi, allez, bon pressing de la part de Coquet. Oh, cet extérieur du pied, il est splendide, Correa. Et De Ligt est encore là, à la bonne place. Ce n'est pas la première fois qu'il sauve la mise à la Juve. Matthijs de Ligt, il a déjà eu l'un ou l'autre tacle salvateur en première mi-temps. Mais quel caviar de Jean-Félix. Hein. Franchement, c'était splendide. Jean-Félix sur la gauche. Et mauvaise passe de la part de Coquet. Ok, le voici de nouveau, Jean-Félix, très bonne passe, Correa, oh là là, il est passé à côté, Morata. Ah, il a une opportunité en or, là, clairement, d'aller chercher le point, d'aller chercher le but de l'égalisation, Alvaro Morata.
La passe de João Félix est superbe. Maintenant, je me demande s'il n'y a pas une position de hors-jeu quand même, si d'aventure le but avait été inscrit. Coup de sifflet, c'est fini. C'est fini. La Juve s'impose. Ils ont eu chaud jusqu'au dernier moment, les Bianconeri. Dans cette deuxième mi-temps, ils ont géré tout simplement leur avantage. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.